Alors bonjour à tous, on va démarrer à l'heure parce que Christophe Marcelier a ensuite un train à prendre pour aller donner d'autres formations loin d'ici. Donc on est très heureux d'accueillir Christophe Marcelier qui est maître de conférence en sciences de l'éducation et inspecteur général de l'éducation nationale. Il est spécialiste de la bienveillance en éducation et a écrit de nombreux ouvrages sur cette question que je vous recommande vivement. Euh par ailleurs, donc euh, c'est la dernière conférence du cycle Philgood de cette année. Euh, alors on voit qu'il y a un peu moins de personnes euh, pour l'instant. Peut-être d'autres vont arriver, mais c'est euh, c'est peut-être dû au fait qu'on a eu euh, une grande journée lundi aussi. Donc il y a eu euh, de nombreux professionnels qui peut-être ne peuvent pas se libérer aux deux occasions. Mais c'est pas grave puisque cette conférence est filmée. Donc vous pourrez euh, le transmettre autour de vous. Euh, que cette conférence sera accessible en ligne et elle est actuellement donc. Euh, déjà en rediffusion euh, j'en profite aussi pour vous dire qu'on a imprimé les flyers du cycle de conférences de l'année prochaine donc vous pourrez le prendre en sortant et puis euh, ce soir il y a aussi une autre conférence organisée par la maison des sciences de l'homme Alpes autour du lundi vert. Peut-être certains en ont entendu parler, j'en ai parlé lundi aussi puisqu'on a fait le lundi vert. Donc il s'agit d'un jour où on, ne, on propose de ne pas manger de viande ni de poisson euh, pour euh, ben, commencer un changement de comportement dans cette direction pour euh, plus de respect euh, de l'environnement des animaux et euh, de, de sa propre santé. Donc euh, si vous avez envie d'avoir plus euh, d'informations là-dessus, vous pouvez venir à la conférence ce soir et euh, sinon regarder sur le site Internet lundi vert. Vous pouvez vous, vous inscrire, recevoir des recettes végétariennes, etc. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont jamais venus à ce cycle de conférences, pour rappel, l'objectif est de proposer d'abord une intervention de 45 minutes sur un thème important aujourd'hui pour le développement du bien-être dans la société, donc par un auteur connu. Et puis ensuite, une présentation plus courte d'un chercheur de l'université, donc aujourd'hui Damien Tessier, maître de conférences au laboratoire Sens et qui permet de, de comprendre comment finalement des, des auteurs euh, peuvent en arriver à des conclusions, des recommandations et à diffuser largement des informations utiles pour la société sur la base de nombreuses recherches qui sont menées euh, bah, au niveau international et euh, qui suivent des standards euh, précis. Et donc ça permet de découvrir comment fonctionne une recherche à travers la présentation qui sera proposée. Et puis ensuite, on aura un petit temps d'échange, un quart d'heure de questions-réponses avec les deux intervenants, et puis un pot ensuite en bas pour continuer les échanges si vous le souhaitez. Donc encore, merci à nos deux intervenants et je vous laisse la parole. Oui, merci Rebecca pour ton accueil. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc le thème que je vais aborder euh, avec vous. Aujourd'hui, est un thème qui met en jeu une posture, une attitude, une vertu, qui est, correspond à une valeur que le chercheur Shalom Schwarz, spécialiste des valeurs et de leur promotion dans, dans le monde, et notamment dans les pays occidentaux, considère comme étant la valeur première la plus en expansion actuellement dans de nombreux pays. Et donc, cette notion de bienveillance en éducation est une notion qui n'est pas nouvelle et qu'on pourrait aborder à travers de nombreux angles, à la fois historiques, mais ça ne sera pas mon propos, mais aussi à travers ce que vivent et ce que traversent les, les adolescents. Et je partirai plutôt de ce qui anime les, les enfants et les adolescents pour pouvoir aller sur ce terrain de la bienveillance, notamment dans, en abordant euh, les souffrances psychologiques. Euh, dont certains, certaines enquêtes peuvent nous, nous aider, en tout cas, à nous représenter ce, qui, ce que vivent les adolescents au quotidien. L'enquête de l'UNICEF de 2014 auprès de 11 000 enfants montre que, euh, entre l'âge de 6-12 ans et jusqu'à 15 ans et plus, on, on, les jeunes témoignent d'une souffrance plus grande, croissante de même, des facteurs comme euh, le type de famille, et l'on voit ici par exemple que les enfants euh, vivant avec leurs deux parents euh, sont un peu moins touchés par ce sentiment de souffrance que euh, les, familles, les enfants vivant dans des familles recomposées. par ailleurs, d'autres facteurs comme le niveau de vie ou euh, l'environnement, le caractère insécurisant du quartier peuvent euh, ici euh, être considérés comme des facteurs euh, à prendre en considération dans la souffrance psychologique des enfants. Dans le rapport que les enfants et les adolescents ont à l'école, on constate notamment chez les adolescents que près d'un tiers d'entre eux euh, se disent satisfaits de leur vie scolaire et donc que deux tiers, à euh, contrario, euh, n'ont pas cette, ce sentiment. Alors certes, les enquêtes de l'ADEP euh, que ce soit les, concernant les collégiens, lycéens, montre qu'on est plutôt à 90-95% des enfants qui se disent se sentir bien dans leur établissement. Mais faut-il voir encore comment les enquêtes sont euh, mises en œuvre Il y a des effets de désirabilité sociale qui euh, doivent être pris en considération et qui nous amènent à être plus prudents sur les, les chiffres qui sont diffusés. Euh, deux tiers des enfants... Considèrent leur, leur euh, scolarité comme stressante, fatigante. Euh, L'enquête de l'UNICEF euh, de 2014 interroge quand elle nous montre qu'un quart d'entre eux euh, disent que les, les adultes leur font peur, donc qu'ils appréhendent euh, les adultes de l'école, notamment les enseignants, avec une angoisse, notamment autour de l'évaluation. Et. Euh, on a à peu près la moitié des enfants qui y arrivent le matin stressés à l'idée même de ne pas réussir bien à l'école. Et là, sur l'enquête de l'UNICEF, on monte jusqu'à 70%, vous voyez, 69% angoissés de ne pas réussir assez bien à l'école. Quant à l'injustice, puisque c'est une des données, le sentiment de justice est un, un élément fort dans le ressenti des élèves, puisqu'il correspond à, à la fois à un ressenti et à un besoin, le sentiment de justice, un, qui est l'un des besoins qui n'est pas refoulé par les, en, les enfants en général. Et un tiers d'entre eux considèrent, et c'est une donnée qui est stable depuis une bonne quinzaine d'années, qui est stable en France. On a un tiers, 30 à 33% des jeunes, on les retrouve dans les enquêtes de l'ADEP, qui disent qu'il euh, qu y a de l'injustice à l'école, notamment autour de l'évaluation, autour des punitions et sanctions. Donc toutes ces données euh, nous donnent à voir euh, autour du bien-être. Euh, une situation euh, que, euh, que traversent les adolescents, une situation qui n'est pas confortable, loin de là. Et quand on va voir du côté des signes de, de, de subdépression, euh, sur lesquels euh, l'enquête Inserm de, de 2015 nous livre quelques données, on voit qu'à la question euh, « que faites-vous lorsque vous pensez que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ?», les jeunes filles vont plus chercher à s'isoler, euh, à écouter de la musique, alors que les garçons vont aussi être dans l'isolement, l'écoute de la musique, mais aussi le, le, les, jeux, les jeux vidéo. Donc on a euh, un phénomène qui est plus répandu chez les filles que chez les garçons, parce que un tiers des filles et seulement un cinquième des garçons euh, montrent des signes de dépression, des éléments qui sont à prendre au sérieux quant euh, au bien-être et au mal-être qui animent les, les jeunes dans leur rapport au collège et au lycée. <laughs> L'Observatoire national du suicide euh, nous donne aussi, je terminerai sur ces données-là. Ce, ces éléments de constat, euh, des, éléments qui, euh, des, des, des chiffres qui nous interrogent, puisque, si vous, vous le connaissez sans doute, la, la première cause de mortalité des, des adolescents, euh, ce sont les accidents de la route, mais le suicide figure comme deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Et donc, euh, il n'y a pas que le suicide, il y a aussi les tentatives de suicide, puisqu'elles euh, sont deux fois plus fréquentes chez les filles euh, que chez les garçons. Euh, et sur les données relatives à l'âge, on voit que l'âge moyen de la première tentative est de 13 ans et demi. On sait qu'il y a des tentatives de suicide à partir de l'âge de 9 ans. Comment, à l'âge de 9 ans, peut-on conceptualiser même l'idée de vouloir mettre fin à ces jours C'est bien qu'il y a... Euh, un mal-être ressenti très fort, parfois euh, dès la fin de l'école élémentaire, qui est conscientisé. Dans une classe, en moyenne, un jeune sur dix a déclaré avoir pensé au moins une fois au suicide au cours des douze derniers mois. Un jeune sur dix, c'est trois jeunes par classe qui, dans les six derniers mois, enfin les douze derniers mois, ont pensé au moins une fois au suicide. Ce sont des chiffres, des indicateurs qui, au-delà des faits, dans le ressenti, euh, doivent nous questionner. Et doivent rester présents à notre conscience. Enfin, sur les éléments contextuels, on, on se rend compte qu'effectivement, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. On voit par exemple euh, les Hauts-de-France, plus touchées par les tentatives de suicide. Le contexte euh, que traverse euh, la France, mais je dirais les pays occidentaux actuellement, le monde particulièrement complexe et chargé d'incertitudes dans lesquelles grandissent les enfants, euh, nous amène à penser que nous sommes dans un, une période où de complexification du monde qui accroît ce sentiment de vulnérabilité, euh, notamment chez les jeunes, mais pas uniquement chez les jeunes. Et toute société qui euh, se complexifie fabrique de la vulnérabilité. Or cette vulnérabilité constitue une donnée, une dimension, qui est à prendre en considération avec beaucoup d'attention et qui doit nous amener à la vigilance. Et c'est sans doute euh, tout l'intérêt de ce concept, qui est un concept dynamique, qui appelle à la vigilance beaucoup plus que lorsque l'on fait état de la difficulté d'un jeune. Notre société de la consommation est une société aussi et surtout de la performance. La performance étant voulue par le monde des entreprises, euh, relayée par euh, le monde de la formation. Comme une finalité, un objet en soi qui est, appelle toutes les attentions. Mais euh, il doit nous interroger. Il doit nous interroger parce qu'une société de la performance est une société qui ne, qui ne rime pas forcément avec le bonheur, le bien-être et la réalisation de soi. Et euh, je crois qu'il y a. Nous, avons, nous aurions intérêt à mieux euh, mettre en valeur la notion de réalisation de soi ce besoin de réalisation de soi qui est propre à tout être humain et que les circonstances de la vie n n, ne permettent pas toujours de satisfaire ou d'honorer. Une école qui permettrait, et une éducation au sens large qui permet la réalisation de soi, est une école qui euh, permet à des jeunes de devenir adultes et de travailler dans, beaucoup plus dans la joie, avec ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de bonheur démonique, c'est-à-dire de bonheur qui s'accomplit par l'action et non pas par la recherche même du bonheur en soi. Dans une société qui se complexifie, euh, il est nécessaire pour pouvoir s'en sortir, entre guillemets, euh, de faire preuve euh, de discernement, d'esprit critique et de résilience. Cette notion de résilience qui est de plus en plus parlée, de plus en plus utilisée à la fois par la recherche, mais aussi par des organismes internationaux qui essayent d'orienter les politiques publiques, nous appelle à placer la, la résilience dans son acceptation la plus large au cœur des formations euh, des enfants. Une notion associée à la résilience est celle de tuteur de résilience qui a été euh, conceptualisée par un certain nombre de chercheurs et notamment par, par, par Boris Cyrulnik et qui est très intéressante pour euh, l'éducation puisque elle donne toute sa place à la bienveillance et nous montre que la bienveillance, lorsqu'elle est conjuguée avec les, des exigences élevées et des objectifs réalistes, permet euh, à des jeunes et des moins jeunes aussi de faire face aux difficultés de la vie, ce qui est le propre même de la résilience, et de savoir rebondir, de pouvoir euh, s'orienter avec force et énergie. Prendre le temps de connaître les enfants, de, leur, de se connaître eux-mêmes dans leur environnement, euh, est une dimension là aussi extrêmement importante dans la construction de la résilience. Et prendre le temps de cela euh, suppose des conditions, des contextes de prise de parole, de débat, euh, de découverte de soi en situation, et suppose notamment un parler ensemble et un faire ensemble. Or, euh, actuellement, avec le développement des écrans, euh, le parler ensemble, c'est un parler qui est médiatisé par les réseaux sociaux et qui n'obéit pas forcément aux mêmes règles, euh, notamment d'honnêteté et de prise de responsabilité, puisqu'on sait que la cyberviolence, justement, s'accommode très bien de, de la distance qu'opèrent les écrans et, euh, et la perte de responsabilité qu'elle entraîne. connaître ses forces, Connaître ses aptitudes personnelles, être en mesure de mieux appréhender la réalité des événements euh, tels qu'ils sont et non pas tels qu'uniquement on, per... qu on les perçoit, euh, constitue des éléments essentiels pour euh, développer sa résilience. Il y a donc bien dans l'interprétation du vécu, l'interprétation des situations contraignantes, euh, un domaine ici à développer. Il en est aussi euh, des émotions, des émotions lorsqu'elles sont positives, qui, ont, qui jouent un jeu euh, d'influence considérable et de structuration euh, de la capacité à faire preuve de résilience. De nombreux parents euh, revendiquent encore euh, l'autoritarisme et les styles éducatifs répressifs comme moyens euh, d'action pour pouvoir éradiquer les ce qu'ils appellent les mauvais penchants de leurs enfants. Et un certain nombre d'enseignants ont encore euh, la croyance qu'une bonne éducation est une éducation qui relève de l'autoritarisme, de la sévérité, euh, de la menace, voire des humiliations. Or, euh, il faut bien être conscient que et c'est bien décrit depuis de nombreuses années par euh, les pédopsychiatres mais aussi des chercheurs en psychologie qu'il s'agit là d'une forme de violence qui si euh, euh, elle, se, elle est extrêmement répandue, n'en est pas moins euh, extrêmement euh, chargée d'impact et de souffrance. Ce que l'on appelle communément depuis quelques années la violence éducative ordinaire euh, a des conséquences dramatiques parmi les jeunes qui n'ont pas la possibilité d'élaborer cette souffrance et de pouvoir la parler dans leur famille, de pouvoir mettre, la mettre à distance en témoignant de leur vécu, témoignant de leurs émotions, avec des adultes notamment. Les conséquences en termes d'absentéisme, de, de maladie, de décrochage, de repli sur soi, de conduite addictive, le tableau ici est extrêmement bref, mais il est clair que le tableau clinique est peu, peu, potentiel peut être beaucoup plus grand. Et euh, les conséquences de la violence éducative ordinaire sont dramatiques sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique. Quand on voit simplement le coût du décrochage, qui a été évalué à 230 000-250 000 euros par, per, par enfant décrocheur, on imagine plus largement ce que peut être le coût de la violence éducative ordinaire en termes de soins, puisque de nombreux jeunes devenus adultes, au détour d'un moment difficile, versent dans des moments dépressifs qui les amènent à suivre des thérapies qui ont un certain coût, bien sûr. Le bien-être est étroitement dépendant de quelque chose qui à mes yeux doit être connu de tous, qui est la satisfaction des besoins fondamentaux des enfants. Quand on parle de besoins fondamentaux, bien sûr, on parle de besoins physiologiques, mais on parle surtout de besoins psychologiques. Cette existence, cette corrélation existante entre les besoins, la satisfaction des besoins et la réussite scolaire et le bien-être est établie depuis un certain nombre d'années par la recherche. Et euh, les travaux sur les différentes nomenclatures des besoins fondamentaux, depuis les premiers travaux d'Abraham Maslow sur les, les besoins des adultes, puis les travaux de Dessier Ryan qui correspondent sans doute à un des modèles les plus étendus et les plus connus dans le monde, qui est, qui est partagé par de nombreux chercheurs euh, sur la théorie de l'autodétermination. <coughs> on a ici des monomenclatures qui font apparaître des besoins apparemment de nature différente, mais qui correspondent à des pôles de besoins qui présentent des similarités. Et si l'on essaye de conjuguer notamment avec ces besoins formulés par deux médecins, Brazelton et Grispan, et deux chercheurs belges, Huguet de et Jean-Pierre Jean Pourtois et Huguette de Desmet, on voit qu'on a globalement, euh, après ces besoins physiologiques, des besoins psychologiques que la majorité de ces chercheurs et médecins s'accordent à considérer comme étant fondamentaux, notamment le besoin de sécurité. Besoin de sécurité qui touche pas uniquement la sécurité physique, qui bien sûr est une responsabilité très grande en milieu scolaire notamment pour les chefs d'établissement et les enseignants, mais aussi d'une sécurité dont on parle un peu moins, qui est la sécurité psychologique dans la relation à l'adulte. La sécurité psychologique, c'est ce sentiment que l'on a lorsque l'on est face à un adulte, ou en tout cas dans la relation avec un adulte vis-à-vis -vis duquel on se sent libre et relativement à l'aise pour pouvoir demander de l'aide, euh, débattre, discuter demander du soutien, engager une relation plus étroite. Il faut pour cela que cet adulte se rende prévisible, qu'il puisse se rendre contrôlable par l'élève, par le fait même qu'il répond aux demandes lorsque l'élève lève la main. Ce besoin d'avoir un adulte qui est prévisible est un besoin extrêmement fort qui conditionne l'engagement dans les apprentissages. Il n'y a pas que ce besoin, bien sûr, dans les besoins fondamentaux. Il y a le besoin d'appartenance et de, de considération, considération de l'adulte, qui euh, euh, correspond à un besoin plus large qu'est le besoin de se sentir apprécié, de se sentir aimé, qui est un besoin légitime euh, à tout être humain. Dans la relation éducative et plus, plus particulièrement dans la relation pédagogique, ce besoin de considération est un besoin à prendre. Euh, ici avec beaucoup d'attention, puisqu'il va conditionner euh, le renforcement, le soutien de l'estime de soi. Besoin de sens et de motivation, qui à l'école, euh, eu égard à ce que vivent et observent les élèves euh, au quotidien, est un besoin qui les amène très souvent à revendiquer d'être beaucoup plus euh, inté intéressés et d'avoir de, des objets d'apprentissage de, beaucoup plus stimulants. Besoin d'aide et de temps. Comment l'école pourrait-elle ne pas accorder suffisamment de temps à des enfants qui euh, rencontrent des difficultés, alors que l'école a été conçue même comme le lieu fait et élaboré pour pouvoir commettre des erreurs. Besoin de justice associé très souvent besoin de respect. Besoin clé chez les adolescents. On parle d'un besoin qui est à fleur de peau chez les adolescents. Sans doute le besoin le moins refoulé, le plus conscientisé. Que, dont témoignent les adolescents, notamment euh, au regard des évaluations qui leur sont rendues et ou à l'égard des punitions dont ils peuvent être l'objet. Le besoin de respect ici est un besoin de respect verbal, mais qui est un besoin fondamentalement plus large, qui pourrait englober l'ensemble des besoins, puisque lorsqu'un enfant dit qu'il n'est pas respecté par l'adulte, c'est parfois qu'il n'est pas respecté à l'endroit de plusieurs besoins. Et donc, c'est une notion qui est polysémique, la notion de respect. Finalement, on pourrait considérer que euh, se sentir respecté, c'est se sentir accepté. Accepté dans ses droits, accepté dans ses besoins, dans son histoire, dans ses émotions, accepté dans son identité. Besoin de confiance en soi et d'estime de soi, la confiance en soi étant l'une des trois composantes de l'estime de soi. Euh, c'est la composante et c'est aussi peut-être le besoin, euh, peut-être pas le plus fondamental comme le besoin de sécurité, mais le plus central. Il ne peut pas y avoir de réalisation de soi, de développement, d'épanouissement, euh, de connexion avec le meilleur de soi-même, si on n'a pas à minimum un sentiment d'estime vis-à-vis de soi-même, un sentiment de se sentir en confiance pour s'aventurer dans l'inconnu et apprendre. Pour cela, vous le voyez, puisque je mets en face les leviers dont la famille ou l'école, euh, que la famille ou l'école peut actionner dans la relation pour pouvoir satisfaire ses besoins, les feedbacks positifs jouent un rôle considérable. Les feedbacks positifs sont les renforcements, les rétroactions positives. Besoin d'écoute et de dialogue, quand on sait que dans nombreuses familles, l'écoute et le dialogue est extrêmement réduit du fait de la fréquentation des écrans ou de l'absence des parents ou de l'indisponibilité des parents pris par leur métier ou par des problématiques personnelles. Besoin d'écoute et de dialogue à l'école, parce qu'à l'école, trop peu sont et trop rares sont les espaces où les élèves ont la possibilité de débattre et de parler librement de ce qui les touche, de ce qui a de l'importance pour eux. On l'observe à chaque fois que de temps et des espaces de parole dans lesquels les enfants ont la possibilité de développer une relation sécure avec leurs camarades pour exprimer ce qui les touche, cela a un impact considérable sur leur bien-être. Enfin, besoin d'autonomie et de réalisation de soi, j'en parlais tout à l'heure, parce que l'autonomie est la finalité de toute éducation, et que la réalisation de soi, lorsqu'elle est conjuguée à l'autonomie, conduit certainement euh, à ressentir le, senti le sentiment de bien-être de manière beaucoup plus fréquente. Et donc, euh, viser la réalisation de soi, Parallèlement à la performance, c'est permettre à des jeunes d'être performants dans des domaines où ils se sentent heureux et où ils, un, où ils ont développé un rapport d'épanouissement, un rapport d'utilité, un rapport d'accomplissement personnel. Ça suppose des expériences qui permettent de se connaître et euh, un travail sur la connaissance de soi, notamment. Alors, je, je le dis souvent et je, je reprends très souvent les, le travail mené par. Euh, cette pédiatre que nombre d'entre vous connaissent, qui est Catherine puisque elle a eu cette merveilleuse idée de faire une synthèse des neurosciences affectives et sociales. Elle a un certain nombre de travaux anglo-saxons qui nous rappellent qu'en rouge ici, ou orange, vous avez le siège des émotions, qui est l'amygdale cérébrale, qui est une partie qui est la plaque tournante des émotions et que le bébé utilise, bien sûr, pour pouvoir communiquer avec son environnement. Et ce sont souvent les premiers signes de communication et d'insatisfaction de, de, qui s'expriment à travers les pleurs des enfants, notamment lorsqu'ils se sentent en danger. D'autres parties du cerveau, comme le cortex frontal ou le cortex orbitofrontal, ici en vert derrière les yeux, ou l'hippocampe, interviennent dans les apprentissages et dans la structuration euh, de la capacité à pouvoir exercer son discernement, apprendre. Ces parties du cerveau se structurent au gré des apprentissages et surtout grâce à l'appui de la bienveillance. Et ce que montrent ces travaux sur les neurosciences affectives et sociales, c'est que les conséquences de la violence éducative ordinaire, notamment lorsqu'elle est répétée chez l'enfant, viennent impacter directement la structuration du cortex et notamment du cortex orbitofrontal, mais aussi du cortex pariétal, du cervelet et du cortex occipital s'amorce un cercle vicieux de la violence puisque des jeunes qui n'ont pas qui, qui sont victimes d'une violence éducative ordinaire ne sont pas en mesure de euh, maîtriser les, leurs émotions et de jouer sur leur amygdale cérébrale euh, de la même façon qu'un jeune qui a pu bénéficier de bienveillance et qui, lui, va pouvoir développer ce cortex orbitofrontal qui, derrière les yeux, est justement, est cette partie du cerveau qui permet de s'adapter aux autres, s'adapter aux contraintes, aux difficultés de la vie, aux interactions et de pouvoir vivre de manière harmonieuse. Ce cercle vertueux qui est amorcé par la bienveillance euh, montre tout l'intérêt de favoriser cette attitude, cette posture, cette vertu de la bienveillance en éducation. Alors on va voir plus précisément de quoi il s'agit. Il est intéressant toujours de reprendre les définitions et lorsqu'on parle de bienveillance, on parle de veille attentive, de veille attentionnée vis-à-vis -vis de ce qui pourrait nuire à l'enfant. Donc il y a bien cette notion de protection avec deux acceptions fortes qui viennent ici nous donner deux orientations. Une acception accept tournée vers une volonté réelle et efficace, donc qui est tournée vers l'action, et un sens plus faible qui est juste cette disposition favorable minimale à l'égard d'autrui. Entre ce sens faible et ce sens fort, il y a tout certainement toute une échelle de comportements qui est à l'œuvre et qui peuvent varier dans le temps et dans la durée. En cherchant à garantir ce qui est bien pour le développement de l'élève, euh, il est parfois nécessaire de faire œuvre de pédagogie et d'expliquer à un enfant, que ce soit dans le milieu scolaire ou hors du milieu scolaire, que ce que l'on décide pour lui euh, n'est pas forcément ce qu'il pense, qu pense lui-même être bon pour lui. Et donc il y a tout un effort, comme le, le dit Monique Anto Sperber, de pédagogie pour expliquer en quoi ce qui est bien pour lui participe parfois de l'acceptation d'une contrainte, voire d'une punition. Oui, il y a des punitions qui peuvent avoir une dimension bienveillante. Qui peuvent exprimer avec bienveillance et jouer pleinement leur rôle de structuration, euh, notamment de structuration de la capacité à vivre avec les autres. La bienveillance vise donc à la fois à sécuriser l'enfant, à créer les conditions de sa capacité à bien vivre avec les autres et à développer euh, son sens du vivre ensemble, son sens de l'éthique relationnelle. La bienveillance est une vertu, c'est une attitude extrêmement exigeante et qui, pour être développée, suppose d'avoir à minimum réfléchi ou en tout cas cherché à obéir à des principes, des principes qui la fondent. Dans ces principes, je vois l'importance du respect inconditionnel de, de l'autre ici en l'occurrence en tant que parent ou en tant qu'enseignant, le respect inconditionnel de l'enfant. Quand on dit respect inconditionnel, c'est-à-dire respect de tout ce qui appartient à l'enfant, ses droits, ses émotions, ses besoins, et on pourrait continuer son identité, son histoire. Et respect sans condition, succube. ce qui là aussi euh, nous place en position d'acceptation, d'accepter la personne de l'enfant tel qu'il est. Alors le, la question de la symétrie en jeu derrière est, est directement à l'œuvre, puisque l'enfant arrive en classe avec tout son, son savoir qui n'est pas comparable du tout au savoir de l'enseignant. Il est assis, l'enseignant est debout. Il a très souvent... Euh, le devoir de suivre et de répondre aux demandes de l'enseignant, il n'a pas la, la même le même pouvoir, la même liberté d'action, etc. etc. L'asymétrie s'observe à, à de nombreux niveaux et euh, respecter inconditionnellement chaque élève dans son asymétrie, dans cette asymétrie. C'est associé à aussi un autre principe fondateur qui est l'acceptation des limites actuelles des compétences et donc cette capacité à manifester à minima de la considération positive vis-à-vis -vis de l'élève, un minimum de confiance, donner des signes de confiance, des signes de foi en son éducabilité. Les enfants voient très vite et très tôt. Euh, le, au travers des regards, la capacité de l'adulte à miser en eux, à avoir confiance en eux, à miser de l'espoir. Alors, pour bien prendre la mesure de ce que peut être la bienveillance, en opposant bienveillance passive et bienveillance active, on voit bien que sur une échelle d'engagement, on a d'un côté, dans la bienveillance passive, qui pourrait correspondre à une bienveillance minimale, ce comportement qui est celui d'un adulte qui cherche surtout à ne pas blesser euh, l'estime de soi d'un enfant mais qui le laisse se confronter quand même seul aux conséquences de ses actes parce que en tant qu'adulte soit il n'a pas le temps, soit il n'a pas le courage, soit qu'il n'a pas l'énergie, soit qu'il est débordé parce qu'il en a trop en difficulté et euh, il s'autorise à laisser l'enfant se confronter seul aux conséquences de ses actes. Or dans une société où la temporalité est une temporalité contrainte, la temporalité des apprentissages c'est sur une année scolaire que les élèves doivent apprendre un certain nombre et euh, acquérir un certain nombre de compétences et de savoirs. On voit bien que cette contrainte temporelle ne permet pas à la bienveillance passive d'exercer toute sa puissance, que la bienveillance passive a sa puissance propre. Les maîtres orientaux dans les modèles d'éducation euh, à l'échelle de toute une vie euh, déclaraient bien et avançaient bien que la meilleure façon d'apprendre, c'est de se confronter soi-même aux conséquences de ses actes. Mais ce modèle-là, euh, c'est pas un modèle qui est transférable et applicable à l'école, euh, puisque à l'école, la temporalité de l'année scolaire contraint les enseignants à faire preuve et faire œuvre de bienveillance active, c'est-à-dire d'être dans un engagement vis-à-vis -vis de l'élève de qualité en termes de présence dans la relation, qualité de présence, soutien de proximité et différencié, faire preuve de, de feedback, de renforcement positif. Euh, prendre des temps métacognitifs pour pouvoir parler des erreurs positivement, être attentif à satisfaire les émotions des enfants et leur répondre à leurs besoins fondamentaux qu'on évoquait tout à l'heure. C'est aussi un travail didactique de sélection des supports culturels adaptés aux enfants, de prendre le temps de s'intéresser peut-être pas à chaque enfant mais à tous ceux qui notamment méritent on leur accorde du temps parce qu'ils sont rendus vulnérables parce qu'ils traversent. Alors, lorsque cette bienveillance a, prend toute cette dimension active, eh bien, euh, elle est extrêmement exigeante. C'est un travail euh, vertueux euh, de mobilisation de soi qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de, de foi en l'éducabilité de l'enfant. Et c'est certes une exigence vis-à-vis -vis de l'élève qui se manifeste, mais c'est beaucoup, beaucoup une exigence vis-à-vis -vis de soi-même pour l'enseignant. Pour former à la bienveillance, pour soutenir la bienveillance, il faut aussi euh, argumenter en termes d'enjeux. De, on ne peut pas vouloir former la bienveillance si on ne sensibilise pas aux enjeux de la bienveillance. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais ces enjeux immédiats, euh, c'est bien sûr euh, le rapport de confiance et l'ouverture à l'enseignant, et qu'on pourrait élargir, un rapport d'intérêt au monde, d'intérêt au savoir. C'est le développement de l'estime de soi, le développement de la résilience, le soutien de la persévérance. Et tout ceci vient, va contribuer à la réussite, au bien-être de l'enfant dans une forme de spirale vertueuse qui est amorcée beaucoup par la posture de l'enseignant et la posture de bienveillance, notamment lorsqu'elle s'accompagne d'exigences. C'est parce que les exigences vont être formulées avec bienveillance qu'elles vont être efficaces et toucher leurs cibles. La bienveillance a cette vertu et ce pouvoir merveilleux de rendre acceptables les exigences. Même adulte, quand on est en gérage, qu'on qu on pilote une équipe, on sait très bien que la meilleure façon de faire entendre ces exigences, c'est de prendre des gants. On se dit d'ailleurs, mais comment je vais lui dire Comment je vais lui faire part de, de mon mécontentement et de mon souhait eh, qu'il soit beaucoup plus engagé, etc. etc. Cette exigence vis-à-vis des adultes, nous devons l'avoir encore plus avec les enfants, parce que les enfants euh, ont par nature, sont par nature dans une période de construction identitaire qui les rend particulièrement vulnérables et qui demande cette attention très forte à leurs besoins pour favoriser leur bien-être. La bienveillance se manifeste et s'accomplit dans la relation à travers quelle dimension C'est la communication. C'est dans la communication que la bienveillance se manifeste, pas uniquement. Pas uniquement mais euh, principalement dans la communication, dans ces trois dimensions, verbale, non-verbale et paraverbale. Cette, cette dimension que représente la communication dans la relation, c'est la dimension la plus manifeste, c'est la partie visible. On peut observer la qualité d'une relation à travers la qualité de la communication. Ce qui n'est pas visible, très souvent, ce sont les émotions, quoique. On sait qu'on a des indicateurs d'émotions, Mais vous avez des enfants qui savent très bien, parfois, cacher leurs émotions. Et l'activité cognitive, elle non plus, elle est pas toujours. On a quelques signes d'activité cognitive, mais globalement, euh, on peut considérer que c'est la partie non visible. Or, cette dimension cognitive, elle interfère directement avec les émotions. On sait que, en travaillant sur les représentations positives de ce que vit l'enfant, on va agir sur leurs émotions. On va les aider à mieux positiver leurs émotions. En tout cas, à mieux se centrer sur les émotions positives et à mettre de côté, si on peut parler ainsi, leurs émotions négatives. Alors, les besoins, on peut les placer là ils ne sont pas que là, ces besoins fondamentaux. Ils, sont à, ils seront engrammés ailleurs que sur le plan cognitif et sur le plan mental. Dans la relation pédagogique en classe, il y a trois types de moments délicats qui se répètent, qui se réitèrent et qui viennent poser des questions et soulever, en appeler à la bienveillance. L'accompagnement tout d'abord de, des résistances de l'enfant. Lorsqu'un enfant apprend, il y a des tas de moments où il se rencontre des difficultés et des résistances pour pouvoir suivre l'enseignant, suivre le groupe, aller là où l'enseignant a envie d'aller. Les moments d'évaluation et les moments d'exercice de, de l'autorité. Avant l'évaluation, pendant et après l'évaluation, il y a euh, régulièrement des situations euh, qui demandent toute l'attention de la part de l'enseignant et donc toute sa bienveillance pour que ces moments de résistance, ces moments d'évaluation soient le mieux vécus par l'élève. Ce sont des moments de grande fragilité, c'est pour ça que je parle de moments délicats. Ce sont des moments pour lesquels euh, le meilleur de l'enseignant doit être convoqué. Et l'enseignant peut considérer à ces, dans ces moments-là que la relation à l'élève est aussi pour lui l'occasion de faire l'expérience du meilleur de lui-même. Faire l'expérience du meilleur de soi, c'est un regard que l'on porte sur la relation que l'on développe avec l'élève. C'est un regard. C'est principalement vis-à-vis -vis des élèves les plus vulnérables que cette attention doit être euh, considérée comme absolument indispensable. C'est clair qu'on ne peut pas être parfait lorsqu'on est enseignant ou parent. Euh, mais vous avez des enfants qui traversent des périodes de grande vulnérabilité parce que les parents ne sont pas disponibles, parce qu'ils vivent des, des moments difficiles dans leur scolarité, dans leur vie personnelle. Et, eu égard à leur vulnérabilité, ces trois types de moments doivent être considérés avec la plus grande des attentions et la plus grande des vigilances, car ils convoquent le meilleur de, de nous-mêmes, elles convoquent notre éthique et relationnelle, c'est-à-dire notre capacité... À délibérer sur ce qui est le plus juste d'incarner, le plus juste de décider pour le bien de l'élève. Alors, la bienveillance, c'est une vertu qui se manifeste à travers d'autres vertus, qui conjugue d'autres vertus. Dans la communication, nous l'avons vu. Alors, le V de communication, c'est la communication verbale. La bienveillance, c'est d'abord dans les mots, les mots que l'on choisit. Alors, mais ce n'est pas que dans les mots, c'est aussi dans les regards, dans les gestes, c'est le non-verbal, les attitudes, les postures. Il y a parfois des postures qui font peur aux jeunes, où des adultes utilisent le non-verbal pour exercer du pouvoir. Et le paraverbal, c'est beaucoup plus le ton, le débit de la voix, le volume de la voix. Et le ton de la voix est extrêmement signifiant. Beaucoup de jeunes euh, savent très très bien, et la majorité savent très bien, décoder le, le sens perçu à travers le ton. Qu'employé par l'adulte. Un, un adulte qui dit euh, oui, c'est bien, il lève en le temps que ce pas très bien. Donc on a bien ici, euh, dans le ton, exprimé beaucoup de signification. Mais c'est aussi, on l'a vu, euh, prendre le temps. Prendre le temps, euh, euh, la bienveillance, je ne dirais pas que c'est l'éloge de la lenteur, mais en tout cas, c'est l'éloge du temps pris du temps pris au bon moment avec la, la personne qui manifestement donne des signes qu'elle a besoin qu'on prenne le temps pour, de, de discuter avec elle. C'est ne pas juger la personne, c'est juger les actes, parce que ça serait irresponsable que de laisser faire, de laisser dire certaines choses, mais c'est ne jamais juger la personne. Il devrait y avoir euh, une charte qu'on devrait peut-être faire signer aux enseignants, qui sait sur un interdit de jugement de valeur, au même titre que l'on fait euh, signer au moment de la soutenance de thèse des médecins euh, le, jugement de, le serment d'Hippocrate. Hein, euh, un interdit moral qui euh, engage à une posture éthique. C'est la, la qualité d'être présent à l'enfant. Donc dans la présence, dans prendre le temps, il y a aussi la qualité de la présence. On peut prendre le temps sans être vraiment présent. C'est prendre le temps en étant présent en exigeant le meilleur, en utilisant l'erreur positivement, en valorisant les progrès. On a beaucoup, beaucoup à faire. Je vous, envoie, je vous renvoie au, au, à l'ouvrage de Charles Petit sur euh, les vertus de l'échec, et qui montre comment en France, nous, avons, euh, nous sommes dépendants d'une culture de l'échec extrêmement négative. Hein. Nous condamnons l'échec, euh, alors qu'on on verra par exemple sur les CV de nombreux adultes aux, aux États-Unis euh, valoriser l'échec comme étant un élément qui nous a permis de grandir, d'évoluer. De, il y a toute une révolution encore à opérer, même si depuis très longtemps les travaux d'Astolfi sur euh, euh, les vertus de, de, du travail sur l'erreur avaient déjà, durant les années 80, été formalisés. La réalité, c'est que ce travail-là est un travail quotidien de création, de récréation de soi, de recréation de la relation. La relation n'est jamais acquise. Et la bienveillance est une recherche d'équilibre permanent en, euh, où chacun va placer le curseur là où il peut, dans l'instant, avec ce qu'il est, ce qu'il vit. C'est une création et c'est une recréation quotidienne qui nous renvoie à notre responsabilité d'adulte face à l'enfant dans cette asymétrie où la responsabilité est certes partagée, relève d'une réciprocité, mais où la responsabilité majeure est celle de l'adulte. C'est lui, l'adulte, qui donne le tempo, qui engage la qualité de la relation parce qu'il donne... Par la qualité de ce qu'il donne en termes de présence, en termes de regard, d'écoute, de considération vis-à-vis -vis de l'enfant. Voilà, merci de votre attention. Un très grand merci, Christophe Marcelier, pour cette présentation très claire, <laughs> euh, aussi très, euh, très complète et très inspirante. Euh, pour inspirer à la fois le, le, le milieu de l'éducation au niveau de l'éducation nationale, mais aussi plus largement de, de la parentalité. Et puis euh, aussi, merci pour euh, le courage d'avoir euh, bah, pu amener ça à l'éducation nationale. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme de, pour la suite, et euh, bah, d'avoir quitté le champ de la recherche enfin, tout en gardant un pied dedans, mais pour vraiment euh, changer euh, ce qu'on peut observer, ce qu'on a peut-être vécu. Et donc voilà, je, je voulais remercier ce courage. Merci. Donc on va céder la parole à Damien Tessier. Euh, qui, euh, dont, dont la présentation vraiment euh, s'inscrit dans, dans tout ce que Christophe Marcelier a présenté déjà, euh, et notamment Damien Tessier, est spécialiste de la théorie de l'autodétermination. Et donc, ces projets de recherche euh, visent à permettre aux enseignants de pouvoir mieux intégrer euh, ben, ces concepts dans leurs actions, dans leurs, actes, leurs gestes pédagogiques euh, au quotidien. Donc, comment, comment on peut répondre concrètement à ces besoins, euh, dans la classe tous les jours. Merci Damien. Euh, bonjour à tous. Merci euh, d'être présent pour, euh, pour cette présentation. Merci à Christophe Marsollier pour cette euh, belle entrée en matière et même plus que ça sur la, la question de la bienveillance. Et puis euh, et puis je vais faire le lien avec la promotion de la motivation et du bien-être à l'école. Rebecca dit que c'est mes travaux, mais euh, je partage assez facilement euh, la fiche avec elle puisqu'elle est vraiment partie prenante dans ce projet que je vais vous présenter. Donc, il s'agit d'un projet promouvoir la motivation et le bien-être à l'école qu'on a développé depuis trois ans, donc avec Rebecca et puis d'autres collègues qui sont dans la salle. Patricia, j'ai vu tout à l'heure. Euh, ça part d'un constat, On part du constat qu'effectivement la motivation est une préoccupation résurgente, c'est-à-dire qu'elle a été pendant longtemps une préoccupation pédagogique forte des enseignants, puis un peu abandonnée à la mode de la didactique peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, et euh, la relation pédagogique entre l'enseignant et l'élève a été un peu oubliée euh, et placée au second plan derrière la question des savoirs, des connaissances, des compétences. Or, on s'aperçoit qu'effectivement, ben, c'est une préoccupation qui est, qui est forte. Euh, si on s'appuie sur le dernier volet de l'étude PISA, qui s'est intéressé justement à ces questions-là du bien-être des élèves à l'école, euh, cette étude, ce rapport met en évidence que entre les élèves les plus motivés, donc ces élèves de 15 ans, les plus motivés qui sont dans le premier quartile, euh, eh bien, et ceux qui sont les moins motivés. Eh bien, il y, a, il y a un écart de points de, de 18 points en moyenne sur la note en sciences, ce qui représente une année de scolarité. Donc, pour des élèves de la même classe, entre les plus motivés et les moins motivés, il y a une année de connaissance d'écart, juste eu égard à la motivation. C'est quand même un, un premier point qui peut nous préoccuper. Et le deuxième point dont fait état ce rapport, c'est que la France et euh, le pays dans lequel l'indice de motivation des élèves est le plus faible parmi tous les pays de l'OCDE qui ont été euh, mesurés, pris en compte dans ce rapport. Euh, deuxième, euh, deuxième ancrage, deuxième constat, on peut s'appuyer sur les chiffres actuels du décrochage scolaire, mettant en évidence que 450 000 jeunes euh, sont décrocheurs, c'est-à-dire euh, ne veulent plus aller à l'école et ne sont pas engagés dans la vie active. C'est euh, bon par rapport à, à, à la promotion, à l'étendue, au nombre d'élèves, à l'effectif des élèves qui sont scolarisés, ça pourrait paraître euh, finalement pas si important que ça. Euh, mais le coût aussi accroché, à, raccroché à ce, à ce décrochage, 230 000 euros. Par personne, tout au long de la vie, combien ça coûte à la société euh, un décrocheur qui est en difficulté, qui euh, peut cumuler d'ailleurs plusieurs difficultés, euh, c'est une préoccupation euh, humaine, personnelle, mais aussi euh, économique. Et euh, savoir comment euh, prévenir ce décrochage est une préoccupation forte. Deuxième préoccupation, deuxième constat, ça concerne le bien-être. C'est une préoccupation montante. Euh, un des rapports de l'UNICEF qui s'intéresse au bien-être des jeunes, des adolescents, met en évidence que la France se classe à 13e position du bien-être général. Mais lorsqu'il s'agit du bien-être scolaire, euh, eh bien, euh, nos ados se situent plutôt à la 15e place parmi l'ensemble des pays concernés, des 29 pays. Et donc euh, voilà, quand on rapporte ça par rapport à la puissance économique de la France, par rapport à un nombre d'indicateurs, on se dit il y a peut-être un, une préoccupation forte euh, autour du bien-être des jeunes à l'école. Et puis les études sur le climat scolaire, Christophe Marcelier y a fait référence, mettent en évidence que au cours du collège. Si euh, il y a un sentiment de sécurité qui tente à s'accroître, c'est la courbe bleue au cours des années collège. Euh, si euh, la sphère relationnelle, c'est-à-dire la relation entre les jeunes au sein de l'établissement, euh, est relativement stable. En revanche, la courbe rouge, c'est la relation entre les enseignants et les élèves. La relation enseignant-élève, elle, tente à se dégrader. De manière assez importante au cours du collège, donc il y a une préoccupation forte reliée à la question du bien-être et de la motivation autour de la relation pédagogique. Donc c'est pour cette raison, sur la base de ce constat là, qu'on a développé ce projet, promouvoir la motivation et le bien-être à l'école, dont l'objectif est de sensibiliser les enseignants aux variables clés de la motivation, mais aussi de la régulation émotionnelle, afin de susciter le développement de nouvelles pratiques et de favoriser le bien-être. Ce projet s'appuie sur deux dimensions. Une première dimension qui est relative au style motivationnel. Alors là, j'ai mis une classe en îlot. C'est un peu la pratique emblématique du style motivationnel sans pour autant être une panacée pédagogique. Et puis donc, ça, ça renvoie à l'idée que finalement, pour susciter un engagement, une motivation de qualité chez les élèves, il s'agit de créer des conditions qui favorisent leur engagement, leur sentiment de compétence, une proximité sociale importante. Euh, mais c'est pas suffisant concevoir des dispositifs pédagogiques qui euh, suscitent l'engagement ou favorisent la, la motivation c'est nécessaire mais pas suffisant il est aussi important de s'intéresser aux compétences psychosociales à la capacité d'aider les ados les jeunes les enfants à pouvoir réguler leurs émotions porter attention sur euh, les contenus d'enseignement qu'on leur propose, leur aider à mieux gérer la relation sociale entre eux, puis avec les adultes également. Donc c'est bien sur ces deux piliers-là, ces deux axes-là, aider les enseignants à concevoir des dispositifs motivants d'une part, et aider les enseignants à développer, à intégrer dans leurs cours euh, des pratiques permettant de développer les compétences psychosociales et plus précisément les compétences émotionnelles que se fonde ce projet. Concernant... Euh, les fondements théoriques, on s'appuie sur la théorie de, de l'autodétermination euh, qui postule que les, êtres humains, que les êtres humains sont naturellement curieux, sont naturellement ouverts vers de nouvelles expériences, ont envie de développer leur potentiel. Donc euh, on a tous une motivation autodéterminée naturelle, tournée vers l'épanouissement de soi. Et on le voit bien dans le jeu, personne n'a jamais poussé un enfant à jouer, que ce soit jouer au foot, jouer aux jeux vidéo, parfois on peut le déplorer, jouer au Lego. Tous ces jeux-là recèlent un enjeu d'apprentissage. On développe sa motricité fine, on développe ses compétences cognitives, ses relations sociales. Et puis, que se passe-t-il? Une fois qu'on a atteint, maîtrisé ses compétences, et eh ben, on laisse les jeux de côté. Et les chambres de nos enfants sont souvent pleins de jeux euh, dont on ne sait plus quoi faire, et eux aussi, parce qu'ils ont atteint la compétence et euh, ils ont relevé le défi du jeu. Et on passe à autre chose. Et cette, euh, cette tendance naturelle à jouer témoigne bien de cette tendance à cette autodétermination naturelle. Mais cette tendance-là n'est que potentielle et nécessite un certain nombre de conditions pour que cette tendance à l'autodétermination se mette à l'œuvre, se mette en place, et notamment euh, ce dont a parlé Christophe Marcelier juste avant, la satisfaction de ses besoins psychologiques fondamentaux. Dans le cadre de la théorie de l'autodétermination, ces besoins psychologiques euh, sont au nombre de trois, l'autonomie, la compétence, la proximité sociale. Alors ils sont dits fondamentaux parce qu'ils existent tout plein de besoins psychologiques, besoins psychologiques de sécurité, d'estime de soi, euh, un certain nombre euh, dont euh, d'ailleurs euh, Christophe marcelier les a bien identifiés sur la pyramide. Mais s'ils sont dits fondamentaux, cela, c'est parce qu'ils sont directement reliés au bien-être et que les autres besoins sont antérieurs, participent à satisfaire ces besoins psychologiques d'autonomie, de compétence et proximité sociale qui, en retour, la satisfaction de ces trois besoins-là, est reliée directement au bien-être. Donc, dans le modèle de la théorie d'autodétermination, la satisfaction de ses besoins d'autonomie, hein, qu'on pourrait traduire en langage pédagogique, rend l'élève acteur de ses apprentissages. Satisfaction de besoin de compétences lui donner le sentiment qu'il est capable ou qu qu'elle est capable de réaliser les tâches et les situations qu'on lui propose. Le besoin de proximité sociale pour, y renvoie, pour y renvoyer au sentiment d'être en sécurité affective au sein de la classe avec euh, les autres élèves, avec ses camarades, mais aussi beaucoup avec l'enseignant. bien, Lorsque ces trois besoins sont satisfaits, ça participe à susciter l'adoption de motivations autonomes le plaisir, la motivation intrinsèque, le sens, la motivation identifiée, qui sont associés à des comportements adaptatifs aux apprentissages, l'engagement, l'enthousiasme, l'intérêt, et à contrario, lorsque ces besoins psychologiques fondamentaux ne sont pas satisfaits ou sont menacés eh bien ça suscite plutôt l'adoption de motivations contraintes qui, elles, sont associées à des comportements dysfonctionnels ou non adaptatifs aux apprentissages, tels que la passivité et l'ennui. Et euh, pour compléter ce modèle d'autodétermination, le style motivationnel, la relation pédagogique que l'enseignant entretient avec les élèves est fondamental pour satisfaire ses besoins euh, psychologiques fondamentaux. Lorsqu'on adopte un style qui soutient ses besoins, eh bien ça favorise euh, ces motivations de qualité ces motivations autonomes à contrario lorsque la relation pédagogique menace ces besoins et eh bien au contraire ça génère des effets et euh, plutôt délétères sur la dynamique d'engagement des élèves. Le deuxième fondement théorique de cette approche, là, on était sur le premier, c'est-à-dire la, la relation, le style motivationnel. Sur le deuxième, sur la régulation émotionnelle, on s'appuie beaucoup sur le modèle processus composante de Scherer, qui met en évidence, finalement, qu'un événement émotionnel déclenche un certain nombre de composantes qui traduisent ce que c'est qu'une émotion. Et cette réponse émotionnelle, on va pas la détailler, elle a des effets importants sur toutes les fonctions exécutives, celles qui sont mobilisées tous les jours, à chaque moment, par l'élève dans l'apprentissage. Les émotions sont déterminantes pour porter attention au contenu, pour mémoriser et engrammer les expériences d'apprentissage comme étant positives, afin qu'elles soient durables, pour favoriser la motivation et même le raisonnement dans l'action. Donc une fois qu'on a compris comment fonctionnaient les émotions sur les fonctions exécutives, et bien dans le cadre de ce projet... On propose aux enseignants un modèle des compétences émotionnelles permettant de développer des pratiques qui permettent de favoriser le développement de ces compétences émotionnelles. On s'appuie sur le modèle de Nicolas Jack et collaborateurs. Il s'agit d'aider les élèves à identifier leurs émotions, à comprendre le message et comprendre l'effet des émotions, de la colère, de l'ennui. Euh, d'exprimer ses émotions, de pouvoir les réguler et les utiliser pour soi-même, mais aussi pour les autres. Le modèle des compétences émotionnelles, c'est pas seulement développer ses compétences pour soi, c'est aussi développer ses compétences pour analyser, réguler, identifier les émotions chez les autres. Voilà les fondements théoriques. Ce projet. Euh Promob, il s'est développé depuis trois ans. Euh, la première année, on a fait une étude pilote. La deuxième année, je vais vous présenter les résultats. Euh, on a fait une étude principale, euh, une étude randomisée contrôlée sur quatre établissements scolaires. Deux étaient affectés au groupe contrôle et deux au groupe euh, euh, expérimental. Et puis cette année, on a développé un partenariat avec la formation continue des enseignants du, du rectorat de Grenoble, où on a pu diffuser plus largement euh, euh, ce projet dans huit établissements scolaires, donc avec un impact un peu plus important, et puis l'année prochaine on ouvre un DU euh, Promob à l'ESP à je vous expliquerai euh, les, les raisons, mais euh, il y a une continuité importante entre ce projet de recherche et le DU qu'on ouvre à la rentrée. Euh, le protocole, c'est un projet de recherche, donc il y a un protocole, on cherche à évaluer l'impact de la formation, euh, deux journées de formation de 6 heures, une sur motivation et style motivationnel, une autre sur les émotions, trois temps de mesure, euh, une mesure AT1 qui... Alors je vais développer les outils, une mesure AT1 qui... On s'appuie beaucoup sur les observations de classe où il y, y a une caméra sur un trépied qui filme les pratiques pédagogiques de l'enseignant qui est de face, les élèves sont de dos. Et on utilise ces images à la fois euh, pour mesurer les évolutions du style motivationnel de l'enseignant au fur et à mesure de l'année, mais aussi comme support de formation, l'analyse de pratique étant un dispositif particulièrement intéressant pour prendre conscience de sa pratique et les faire évoluer. Outre euh, cette observation de classe, il y a également des questionnaires qui mesurent différentes dimensions liées à cette question de motivation et euh, la question du bien-être. Donc voilà, pour revenir rapidement au, au protocole, un T1, un T2 juste après la formation et un T3 pour, alors, en fin d'année pour voir si les évolutions se maintiennent. La démarche de formation, elle est, elle est importante. C'est-à-dire que bien souvent, trop souvent en formation, on considère qu'il s'agit de donner des connaissances aux enseignants et que sur la base de ces connaissances, ils vont pouvoir les mobiliser dans la pratique pour modifier leur pratique. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est important, c'est tant les connaissances que les pratiques elles-mêmes, que l'expérience, que la simulation en situation de formation pour changer ces pratiques. Donc on s'appuie sur le modèle de Guesquet qui met en évidence le fait que le développement professionnel, il passe d'abord par une phase d'expérimentation, de test de certaines pratiques. Lorsque les enseignants testent ces pratiques en classe et qu'elles sont associées à des changements de comportement chez les élèves, qu'effectivement les élèves sont plus motivés, qu'effectivement ils régulent mieux leurs émotions, alors il peut y avoir un impact sur les croyances, les conceptions pédagogiques, les connaissances qui vont stabiliser ces pratiques. Donc c'est dans le sens d'abord de changer les pratiques, de voir l'effet de ces pratiques sur l'activité ou l'engagement des élèves, qu'ensuite on peut espérer un effet sur les connaissances. On n'entre pas, selon nous, dans la démarche de formation par uniquement les connaissances, une, de, une démarche verticale. Du coup, ça donne une démarche de formation qui est très pratique. Très centré sur des stratégies d'intervention qui vont être testées, qui vont être simulées en formation, euh, faire l'analyse de pratique où les enseignants donc se filment comme je le disais, puis analysent leur activité en classe, tout en apportant aussi des connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour légitimer, pour apporter du crédit à ces propositions pratiques. Une formation qui serait uniquement une boîte à outils aurait beaucoup moins d'impact que une formation où on associe théorie et pratique. Le module de formation, il est construit de la même manière sur les deux journées. Le module motivation commence par une présentation des théories de la motivation. Qu'est-ce que la motivation Comment ça fonctionne Et à partir de là, comment développer des démarches ou des dispositifs de formation stimulants. Sur la base du T1 où les enseignants sont filmés, on leur propose une grille qu'on a développée et validée pour analyser leurs pratiques pédagogiques et donc se mettre en perspective de changement pour ensuite pouvoir sur une demi-journée travailler entre pairs à la conception de dispositifs d'enseignement qui vont pouvoir ensuite tester avec leurs élèves. Donc ça c'est le module motivation, le module émotion est construit sur, le même, sur la même structure Qu'est-ce que les émotions Comment ça fonctionne Comment aider les élèves à développer leurs compétences émotionnelles C'est pour le point théorique. Expérimenter différentes pratiques que je vais présenter rapidement après, et ensuite de ça, intégrer ces pratiques dans une didactisation de leur enseignement, comment ces pratiques-là, par exemple la métaux intérieure, par exemple le baromètre corporel, la roue des émotions, euh, la pratique du son, le stop-filgo, la méditation pleine conscience, euh, plutôt la pratique attentive, les forces de caractère, mais aussi la gratitude, différentes, euh, différentes pratiques de psychologie positive et de pleine conscience peuvent être intégrées en classe, et donc il s'agit de prendre confiance dans ses capacités, de mettre en œuvre ces pratiques-là et de réfléchir comment, dans mon thème, en histoire géo, en français, en maths, je peux intégrer à quel moment ces différentes pratiques. J'en viens au résultat de cette, de cette étude sur l'année 2, donc sur l'année euh, dernière. Concernant les résultats sur les enseignants, euh, on s'aperçoit que le groupe expérimental en rouge par rapport au groupe contrôle a développé sa motivation autonome au travail, donc à a mesuré la motivation des enseignants à s'engager, une plus grande motivation autonome. Les différences sont ténues mais sont significatives. Alors qu Effectivement, l'ambition, c'est pas de modifier radicalement euh, toutes ces perceptions-là, c'est déjà de, de citer un changement. Je rappelle qu'on est sur deux jours de formation, c'est quand même très très court. Euh, ils ont la perception également d'avoir changé leur, leur, leur style motivationnel, d'être davantage soutenant les besoins, un plus grand engagement, un meilleur engagement et surtout, ça qui est intéressant, une plus grande satisfaction scolaire. Lorsque les enseignants euh, développent leur pratique et euh, euh, investissent davantage dans le soutien des besoins, ils en retirent aussi une grande satisfaction. Le point à souligner, c'est que les changements se produisent surtout au T3. C'est-à-dire qu'il y a un T1 avant, un T2 juste après, et puis il faut un temps d'intégration, d'assimilation de tout ça, et que les, les changements de perception s'opèrent au temps 3, peut-être aussi en cohérence avec la théorie de Gosquet. Il faut d'abord s'apercevoir que ces pratiques-là ont un effet sur les élèves pour pouvoir se persuader au niveau des perceptions et du questionnaire que euh, les changements ont été efficaces. Concernant les élèves, euh, les élèves sont sensibles au changement de comportement et de style motivationnel de leur enseignant. J'ai redonné que quelques variables. Les élèves du groupe expérimental en rouge rapportent au T3 une plus grande perception d'autonomie, ils sont davantage actifs, acteurs, ils peuvent davantage expérimenter, c'est cela que la perception d'autonomie euh, traduit. La perception de compétence, pas d'effet, peut-être que finalement, les enseignants étant largement formés à la didactique disciplinaire, eh bien, euh, deux heures de formation sont une goutte d'eau parmi euh, toute la formation initiale et continue qu'ils ont reçue sur cette dimension, soutenir la compétence des élèves. La proximité sociale, il y a une évolution euh, tendancielle significative quand même sur le fait qu'ils se sentent plus proches euh, de leurs enseignants. Et il euh, y a également un effet sur la motivation intrinsèque. Voilà. Toutefois, et euh, c'est avec ça que je vais terminer, cette formation de deux jours est très courte. Les enseignants ont besoin, rapportent souvent le besoin de suivi, d'aide à la mise en place de ces nouvelles pratiques. Et donc, euh, deux jours de formation, c'est pas satisfaisant. Là, je vous présente euh, l'équipe euh, à laquelle on travaille Patricia, Rebecca, et puis euh, Béatrice Imbert, qui intervient beaucoup euh, sur euh, tout ce qui est euh, la régulation émotionnelle et qui est passée par le D.U. psychopositive avant. Et puis Nicolas et Joséphine, qui sont euh, les collègues de Strasbourg, qui développent le projet. Strasbourg. Euh, donc ce que je disais, c'est que deux jours de formation, ce n'est pas, pas, pas suffisant et un DU de deux semaines euh, en présentiel avec euh, un suivi sur une année et, euh, nous paraît beaucoup plus intéressant pour amorcer des changements stables, durables dans les pratiques professionnelles des enseignants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Damien pour cet exposé très clair. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions, des, des remarques pour les deux intervenants. Bonjour, euh, alors c'est un peu pour vous deux. Moi, je suis parent d'élève, je ne suis pas du tout dans l'enseignement. Euh, du coup, on a un regard plutôt extérieur par rapport à tout ça, et puis aussi par, nos, par rapport à notre propre vécu. Euh, et, et moi, j'ai une question est-ce que c'est pas quelque chose qu'on doit enseigner dès le départ, c'est-à-dire à, à l'école, dès le départ pour les enfants, c'est-à-dire aux enfants, la bienveillance, et essayer de les amener à ce qui est une motivation justement par rapport à cette bienveillance-là euh, qui se mettent en place au fur et à mesure, et après, ça deviendra des adultes, enfin, ils deviendront des adultes, du coup, euh, qui seront euh, dans, dans, dans la culture de la bienveillance et non de la répression, comme c'est aujourd'hui euh, le cas pour, pour nous tous, je pense. On a tous été élevés comme ça. Peut-être pas tous, <laughs> Oui, euh, effectivement, une, euh, votre question est une question de bon sens. Hein, et Il faut savoir que depuis euh, le, le nouveau programme d'enseignement moral et civique hein, de septembre 2015, et il, y a, il a été revu là en 2018, mais il est dans cette logique-là quand même. Hein. Il y a vraiment une rupture épistémologique qu'il y a entre une rupture dans la conception du savoir et de ses compétences qui est à l'œuvre depuis, euh, depuis un, environ 2013-2014 et qui s'est traduit dans ce, camp de ce nouvel enseignement moral et civique, qui est beaucoup plus centré sur l'action, même si dans la réalité des faits, il appartient aux enseignants de véritablement vérifier qu'on n'est pas simplement dans des apprentissages livresques et bien dans la, la modification des comportements des enseignants, des élèves à mieux vivre ensemble. Et notamment à développer leur sensibilité, développer la, le rapport à, à autrui. Et le, notre ministre qui, dé, dé, qui défend euh, la, la, le respect d'autrui euh, place justement euh, cette question de, de la bienveillance euh, au cœur de, de son projet et, et au cœur des compétences qui doivent être travaillées dans l'enseignement moral et civique, notamment. Mais euh, ce n'est pas ce n'est pas dit sous cette forme là la même forme que l'on a employée, mais. Euh, la notion de respect d'autrui est une notion qui va être beaucoup, beaucoup travaillée dans les années qui viennent et qui engage nécessairement une réflexion sur la bienveillance, une formation à ce sujet-là. Peut-être juste pour compléter, euh, les enfants apprennent euh, essentiellement par imitation, donc par euh, modeling, donc en voyant ce qu'il y a en face d'eux. Donc si on développe aussi ces compétences psychosociales chez les enseignants, chez les parents, c'est une manière finalement de les développer chez l'enfant. Donc si on se dit simplement on va attendre que cela grandisse et ça va s'améliorer, euh, c'est peut-être dommage parce qu'ils vont apprendre aussi tout ce que nous, on leur transmet euh, par la manière d'être. Y a-t-il une autre question Oui, merci pour vos interventions. Bon, je ne suis pas enseignant, je hein. suis directeur de recherche, développement dans le BTP. Et je voulais poser une question par rapport à, donc à la première intervention et concernant la fragilisation des adolescents. Bon. Moi, j'avais suivi, et étant responsable de la modernisation du secteur, l'échappatoire que beaucoup de, de jeunes ayant passé le CAP ou le brevet professionnel dans le bâtiment, plus de deux tiers, hein, dans les années 70 jusqu'aux années 90, malgré leur diplôme, quittaient leur secteur pour euh, aller travailler dans des lieux qu'ils pensaient être meilleurs par rapport aux conditions de travail. C'est pour ça que le secteur du PTP continue avec regret, alors qu'il y a plein de qualités dans ce secteur, d'attirer simplement les derniers migrants venus. Et bon, je ne vais pas parler du tout le processus, mais moi, ce qui m'avait un peu interpellé, c'est le taux de suicide qui existe chez les jeunes, et notamment le terme de performance. J'allais dire une question provocante. Hein. Je suis ingénieur avec plusieurs diplômes. Quel est le taux de suicide chez les dirigeants qui imposent ces performances Quand on sait que ces performances sont orientées à des fins individuelles et pas collectives, est-ce qu'on a une idée du taux de suicide des jeunes dirigeants <laughs> qui imposent ces règles avec les autres Alors j'aurais du mal à vous répondre. Je ne suis pas de données à, à ce niveau-là, mais on, on parle effectivement la, la question du suicide et du mal-être n'est jamais euh, jamais été aussi importante. Et on, on parle beaucoup actuellement du burn-out chez les cadres hein, qui euh, vivent effectivement une période euh, difficile dans dans l'histoire du travail euh, dans les pays occidentaux. Et fait que on a il y a une pression liée effectivement à la logique de consommation, de performance, à la la logique de croissance aussi qui anime toutes nos sociétés et dans laquelle on est dans une spirale où on va en avant. Et on peut considérer qu'il y a quand même malgré tout aussi tout un mouvement contraire qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de cadres qui abandonnent, qui sortent de ce système-là, qui veulent en sortir. J'ai le sentiment qu'on court après les conséquences produites par euh, les, le, le développement du numérique, notamment, qui place notamment les cadres dans des situations de tension euh, difficiles, puisqu'ils font un double métier, ils font leur métier de cadre. À et plus le métier de secrétariat, ils font beaucoup de mails. Et à cela s'ajoute effectivement la performance et qui vient faire peser sur les épaules des cadres énormément. Mais il y a, comme vous le disiez, il n'y a pas que les cadres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi du suicide et du burn-out chez de, de nombreux employés qui sont soumis à des à des pressions et de, de rentabilité. Et on a une, la question du, du bien-être en général, vraiment une question qui traverse notre société, qui qui est au cœur de la, la de la crise de civilisation dans laquelle on, on est. Sur lesquels elle interroge le sens de la vie, le sens que l'on donne à, son, à sa vie et donc à, à son travail. Peut-être par rapport à ça, ce qui est intéressant dans l'étude que Damien Tessier a présentée, c'est effectivement le métier d'enseignant et aussi un métier à haut risque de burn-out. Il n'y a pas que les dirigeants et d'ailleurs les parents aussi. <laughs> C'est un métier à risque de burn-out important. Et de voir comment le fait de, de s'engager dans un geste pédagogique qui, qui répond aux besoins psychologiques fondamentaux des enfants, ben finalement, il y a cette réciprocité qu'a décrite Christophe tout à l'heure où ce que l'enseignant va investir dans cette relation, il va en fait en, en recevoir beaucoup en retour et ça augmente fortement la satisfaction professionnelle et ça diminue les risques d'épuisement. Donc c'est vraiment une piste euh, qu'on aimerait beaucoup développer. Donc encore merci à nos deux intervenants.